Alors bonjour Théo, bienvenue à la Prime Golf Academy. Donc aujourd'hui on va analyser, on a déjà analysé avec Struckman un peu ce que tu fais, les screencasts. Maintenant on va voir les drills adaptés pour toi. Donc mets-toi en posture de face. Ok. Donc au niveau de la posture, tu es plutôt bien comme on a analysé ensemble. Ce qui gêne un petit peu, c'est quand tu démarres le mouvement, donc vas-y, monte. Ok. On voit qu'au niveau de ta hanche, droite, est légèrement arrondi. Là, plutôt que d'être arrondi, il faudrait plutôt que tu sois juste normal. Voilà. Donc, plutôt que d'avoir la hanche droite de face, plutôt que d'avoir la hanche droite quand tu montes comme ça, on va essayer de l'avoir un peu plus neutre. Ok ? Donc, essayer de neutraliser un peu plus la hanche. Donc, refais. Donc, démarre doucement le mouvement. Tu démarres. Et ta hanche, elle vient tourner comme ça. Elles doivent être au même niveau. Toi, le souci, c'est que quand tu démarres, la hanche, elle est plus haute, la hanche droite est plus haute que la hanche gauche. Ok ? Donc, mets-toi de profil maintenant. Donc, pareil, tu te mets en posture. Au niveau de la posture, on est plutôt pas mal. Juste un petit peu, penser à la tête, relever un tout petit peu la tête, voilà, parfait, le menton. Et quand tu démarres, donc démarre doucement, tu as tendance à monter le club un petit peu trop ici, dans la profondeur. Ok ? Donc, on est pas en place. On va essayer de sentir que le club démarre doucement d'un bloc et ensuite tu viens chercher de la hauteur. Okay? Tout en conservant la hanche droite plus basse, donc au même niveau, tu tournes au niveau de la hanche. Comme si, donc, on va faire un exo. Si je te place la baguette au niveau de la ceinture, démarre le mouvement. On doit sentir que la hanche, elle reste au niveau de la baguette. Toi, ce que tu as tendance à faire, tu as tendance à incliner. Donc ta baguette, elle vient s'incliner. Mets-toi de face. On va le voir de face, vas-y. Fais la faute que tu faisais actuellement. Donc là, voilà, ta hanche, elle a tendance à se relever. Donc celle-là, ça forme un C. Plutôt que d'avoir une hanche, vas-y, remets-toi. Fais la correction. Plutôt que d'avoir une hanche parfaitement en place, qui est au même niveau que la gauche. Okay? Là, tu vois, tu es droit, plutôt que d'être C inversé. Okay? Donc remets-toi en posture. Remets-toi en place. Ok, parfait. Donc démarre le mouvement, tu penses à chercher de la largeur. Donc démarrer d'un bloc, conserver parfaitement les hanches et d'avoir un peu plus d'armement au niveau des poignets. Créer un peu plus d'armement, créer un levier. Ouais. Toi, tu as tendance à un peu être comme ta sœur Elodie, d'avoir des bras très hauts et un club très haut au niveau du plafond. Donc vas-y, tape la balle. Donc correctement en place, les hanches, la hanche droite parfaitement placée et c'est parti. Ok.